Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous propose de recommencer la semaine tout doucement avec une petite carte. Donc à base de découpe, hein. Voilà, j'ai préparé des petites découpes et ça sera vraiment une carte toute simple de fleurie, on va dire. Voilà, je suis rentrée de chez Pamela. Jeudi dans la nuit, tout va bien, très fatiguée bien sûr parce que la route c'est quand même pas, c'est pas évident, c'était très long pour rentrer, on a eu tous les temps, c'était horrible. Enfin bref, donc voilà, mais j'ai passé un bon séjour et comment je prépare mes photos et je vous ferai voir les photos en album. Bon, je cacherai mes petits. Bien sûr, mais voilà. Et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. J'ai vu qu'il y avait des nouveaux abonnés et des nouvelles abonnées. Du coup, je vous souhaite la bienvenue. Donc, j'ai pris une base de cartes toute simple. J'ai pris un fond beige et j'ai tout ancré en vert. Donc, elle fait 13 de large, il me semble, hein. Ouais, 13,5 de large et sur 15. Donc, voilà. Alors, j'ai fait des petites découpes de feuilles, de pistils et des coquelicots, puisque on est au mois de mars, on va arriver dans les beaux jours. J'avais envie de faire une petite carte comme ça. Donc, je vais déjà installer des petites feuilles comme ça. Ma colle. J'ai joué un petit peu avec du vert clair, du vert foncé, voilà. Là, hop. Alors, là, mes branches, voilà, j'en ai fait, en fait, c'est les mêmes branches, sauf que là, j'ai coupé la fleur. Comme ça fait le coquelicot qui n'est pas encore ouvert avec sa petite feuille. Donc je vais le mettre là. J'espère que tout va bien pour vous. Et d'avance, je vous souhaite une bonne semaine. Donc j'en ai fait deux, je vais mettre les deux. Là, je vais peut-être remettre une feuille en vert clair. Voilà, comme ça. Et Marie-Danielle, j'irai déposer ton colis demain, de ton lot, vous savez, Marie-Danielle, elle avait gagné le premier lot, donc je l'amène à Mondial Relais demain. Je m'en occupe aujourd'hui. Mais là, aujourd'hui, je ne vais pas bouger parce qu'il y a beaucoup de. Il y a un vilain temps, donc voilà. Je vais rester chez moi à me reposer un peu. Là, je vais remettre une petite feuille comme ça en clair. Alors, pendant une semaine, je n'ai pas regardé les infos, rien. Et j'étais bien surprise de savoir que le coronavirus était en Haute-Savoie. Du coup, bon, je ne vais pas paniquer, mais ça me fait un peu peur quand même, je l'avoue. Du coup, je vais limiter mes déplacements. Voilà, donc là je vais y mettre, je vais prendre que le morceau là, je pense, je sais pas trop. Ouais, je vais prendre que la petite fleur. Hop. Je vais en mettre une comme ça.
Donc, du coup, voilà, ouais, je vais faire deux, trois courses et, enfin, demain, je ferai ça demain. Je vais faire deux, trois courses et après, je pense que je vais rester confinée chez moi. Parce que, bon, ça me fait un petit peu peur. Donc, autant éviter, voilà, tant que je n'ai pas besoin de me déplacer et autres, je vais faire comme ça. Du coup, Christelle, je ne sais pas si on se verra au mois de mars. Hein. On verra, voilà, d'ici la fin mars, mais bon. Enfin, on verra, hein, voilà. Non, je ne vais pas paniquer, j'ai pas. C'est inutile de paniquer. Hein. Là, j'ai mes gros coquelicots, donc je vais les mettre comme ça. Mais bon, je vais rester prudente, on va dire. Voilà. Une autre, comme ça. Hop, et une là. Là, je vais mettre mes petites fleurs. Hop. Surtout la bame de Sillinger, finalement. Bon, heureusement que Pamela n'habite plus là, parce qu'elle aurait, elle habitait à 15 minutes de la Balme. Monsieur Davier, c'est une personne, le maire de la Balme, que l'on connaît. Voilà, moi, ça fait bon, des années-lumière hein, que je ne l'ai pas revu, mais je l'ai connu par le biais de ma belle-mère, mon ex-belle-mère. Donc du coup, voilà, ça fait un petit peu bizarre quand même. Après, hein, c'est la vie. On n'a pas le choix. C'est comme ça. Donc voilà. Là, j'avais des petites bouts de fleurs. C'est pareil, je vais les mettre. Je vais la mettre là. Du coup, voilà, ça donne ça. Je vais prendre un petit morceau de ruban un verre là, j'en ai. Voilà. Je voulais rester un petit peu dans le vert. Donc, je vais faire un petit nœud là. Hop. Alors, demain, je vais vous préparer pour faire l'escarpin, on m'avait demandé. Vous savez, quand je l'avais fait pour Albatera. Donc, je prépare tout et on le fera ensemble demain. Si vous êtes toujours d'accord. Par contre, bon, je ne pourrais pas vous donner les mesures, rien. Moi, c'est un gabarit qu'on m'avait donné. Mais après, peut-être il se trouve sur. Il se trouve peut-être sur Internet. Donc, hop. Voilà, avec les petites, c'était très fort en émotion et pouh! Mais bon, c'était difficile de partir, quoi. Voilà.
Pour une fois, j'ai préparé un sentiment. Donc, c'est le retour des beaux jours. Donc, voilà, je l'ai tamponné, j'ai ancré. Donc, je l'ai mis sur de la mousse 3D. Hop. J'ai attrapé un petit peu froid sur la route hein, pour rentrer. Oh là là. On a eu du vent, de la pluie, de la neige. On a tout eu. C'était horrible. Donc voilà, je vais le mettre. Hop là. Je vais le mettre là, de travers, ce qui donne ça. Et donc là, je vais rajouter deux, trois, je sais plus, deux, trois strass. Alors, dans, hop, là, j'ai du vert. Voilà, je vais mettre des demi-perles. Mon petit pot de colle. Voilà, et je vais en mettre une ou deux rouges. Enfin, non, c'est pas une ou deux, parce que moi, je mets toujours par trois. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Hop. On va mettre une par là. Et la troisième, je ne sais pas si je la mets là. Il y en a une là, je vais la mettre, je sais pas, je vais la mettre là. Voilà. Voilà pour une petite carte. Assez facile, voilà, il suffit de partir avec des découpes, de faire un petit mélange comme ça, un petit sentiment, quelques demi-perles, un petit morceau de ruban, et voilà pour une carte facile et rapide. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à demain, et je suis bien contente de vous retrouver. Voilà, à demain, merci.